Bonjour à tous, je me présente Benjamin Zaoui, co-auteur du livre La Bible du Tâche 2 et professeur de la prépa hors l'homme. Donc si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est pour répondre à la question « Qu'est-ce que le Tâche 2 ?» Parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous allez passer cette épreuve. Alors d'un point de vue pratique et pragmatique, le Tâche 2, c'est un concours que vous devez passer pour rentrer dans de nombreuses écoles de commerce après le baccalauréat. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous avez 1h55 pour répondre à 70 questions réparties en 6 sous-épreuves. Alors essayons de regarder ensemble chacune des sous-épreuves prises séparément. Donc d'abord, vous avez la sous-épreuve dite de mémorisation qui dure 15 minutes. Et au cours de ces 15 minutes, vous avez 7 minutes pour lire 2 textes qui sont ensuite cachés et 8 minutes pour répondre à 15 questions sur ces 2 textes. Donc cette épreuve de mémorisation qui porte bien son nom hein, puisque vous allez devoir vous souvenir d'informations des textes pour ensuite répondre à des questions très simples sur ces textes-là. Vous allez la retrouver 2 fois en épreuve numéro 1 et numéro 4. Ensuite, vous avez la sous-épreuve de calcul. Encore une fois, vous allez la retrouver 2 fois en sous-épreuve numéro 2 et numéro 5. Cette fois-ci, cette épreuve dure non plus 15 minutes mais 30 minutes et vous avez 10 questions. Alors bon, le calcul, le plus souvent, ça fait très peur parce qu'on pense calcul, on pense mathématiques, on pense complexité, etc. Là, ce n'est pas du tout ce qui vous attend. Vous allez avoir face à vous des questions simples. D'un point de vue apprentissage pur et dur, on ne dépasse pas le programme de 3e. Donc, pour voir rafraîchir la mémoire en géométrie, Thalès, Pythagore, les formules de vitesse, temps, distance, des pourcentages, des moyennes, etc. Donc ici, on va plutôt tester votre rapidité et votre capacité à adopter une méthodologie pour des questions types. Ensuite, vous allez avoir la dernière sous-épreuve, qui est une épreuve de logique, que vous allez retrouver en sous-épreuve numéro 3 et numéro 6, sauf que cette fois-ci, les sous-épreuves vont être légèrement différentes. Donc en sous-épreuve numéro 3, vous aurez une logique dite de série double. Vous allez avoir des séries doubles de chiffres et de lettres que vous devrez compléter. Là, vous avez 10 questions et 15 minutes. Et enfin, en sous-épreuve numéro 6, vous aurez l'épreuve dite de logique spatiale, où vous aurez des séries de figures, donc 3 à chaque fois, et vous devrez, parmi les propositions, trouver la 4e. Donc voilà, c'est l'épreuve que vous allez avoir face à vous lorsque vous allez passer le tâche 2. Alors, il faut savoir que si, bien évidemment, il y a des formules de cours à connaître, en particulier pour le calcul, un petit peu pour la logique, ce n'est pas le principal point sur lequel vous devez, en tout cas, vous atteler. C'est plutôt sur la méthodologie. La préparation du tâche 2, c'est bien évidemment de l'apprentissage, comme je l'ai dit, mais également insister sur des questions types, savoir bien résoudre une question de calcul et surtout savoir comment réfléchir lorsqu'on est face à elle et face à une question de logique. Alors, pour parfaire votre préparation, les outils dont vous disposez sont la Bible du tâche 2, bien évidemment, qui est un petit peu le livre de référence pour préparer le tâche 2, et bien évidemment, les cours dans la prépa hors l'homme où nous essayons de vous offrir des sujet de concours actualisé, mis à jour régulièrement afin de vous permettre d'avoir la préparation optimale.